Je pense un traitement d'électrochimiothérapie. J'expliquerai c'est quoi après. Ok, c'est un bon avant midi. De très vite. Ok, va te réveiller. 2h15. Je vais manger vite vite. J'ai pas eu le temps de manger encore. C'est un avant midi très occupé. Ce matin, il y a une madame qui venait pour un mastocytome. Il y a un monsieur qui venait avec son chien pour des masses orales. Puis finalement, il y avait aussi des masses cutanées. Puis il y en a une qui s'est malheureusement aussi un mastocytome. Donc, il va falloir investiguer ça, mais. Très occupé aujourd'hui. Ouais. Enfin, tu sais, moi, je vais avec mon clinicien, avec mon collègue. Je suis fin de ses examens, petit test. Puis, il me dit souvent c'est quoi les cas, on en parle et tout. Je vais avec lui quand il discute avec les clients. Bon, l'abeille, un petit tassé. Fait que, tu sais, j'apprends vraiment beaucoup de juste voir, tu sais. De juste voir beaucoup de cas. Puis, qu'est-ce qui est recommandé, tout ça. Bon, ok, je retourne. C'est après, on a deux traitements d'électrochimiothérapie, comme je disais ce matin. Je vais essayer de bien expliquer. Peut-être que le docteur Delormier va me dire que j'ai pas bien expliqué. Je vais lui dire comment je l'explique, puis si j'ai pas bien expliqué, il va me corriger. Parce qu'il sait que j'ai une chaîne YouTube. En gros, c'est quand tu fais de la chimiothérapie intralésionnelle, fait vraiment localiser. C'est l'électrochimiothérapie, ça augmente la perméabilité des cellules, fait que ça fait en sorte que la chimiothérapie pénètre encore mieux dans les cellules. Fait que c'est ce qu'il m'a dit. Fait qu'il y a deux traitements aujourd'hui. Je me souviens plus, je pense qu'il y en a un que c'est pour une cicatrice de sarcome des tissus mous. Donc ça va être fait au niveau de la cicatrice après le retrait. Ce traitement-là localisé de chimiothérapie. Fait que je sais que ça prend mieux tout ça. Il y a aussi des suivis, mais je me souviens plus c'est quoi. Fait que je retourne. Et ça devrait être une belle après-midi chargée. À plus! Ouh! Ok! I'm out. Il est 6h, my car. Vraiment pas pire. Ça devrait me prendre genre peut-être 50 minutes revenir à Saint-Tia. Bon, en fait, je vais checker sur mon GP. Fait que ça rime très occupé encore aujourd'hui. Excusez, je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Ça dit. Ah, 42 minutes. Wow! Vraiment nice. Je vais arriver à 6h30. Okay. On a vu. Un chien avec une masse au niveau comme de la conjonctive dans sa paupière, enfin à l'intérieur de la paupière en bas, qui était suivi depuis quelques fois. Finalement, bon, les recommandations ont changé un peu, mais c'était très émotif. Ouais, c'est ça. En fait, comme je disais, deux traitements d'électrochimiothérapie, puis j'avais quand même bien expliqué tantôt. c'est ça. Fait que c'était bien occupé. Demain, nos rendez-vous commencent à 9. Fait que là, moi, je vais revenir chez moi à 6h30. J'avais comme vraiment plusieurs choses que je vais faire à soir, mais je sais pas à quel point ça va être réaliste. Vraiment, j'aurais aimé ça aller courir. Mais, oh my god, j'ai vraiment la misère à continuer à courir pendant les stages pour vrai. En tout cas, je vais revenir à 6h30. Le problème, c'est que j'ai vraiment faim. Je pourrais comme manger en ce moment, mais. Je sais que je vais vraiment pas faire une bonne course parce que je suis fatiguée puis j'ai faim. Fait que ma course, elle serait vraiment pas bonne. Fait que ça me gosse d'aller courir dans ce temps-là. Genre, c'est le pire moment pour moi.
Mais en tout cas, je vais peut-être faire ça. J'aurais aimé ça faire comme une heure de vet prep ce soir. Une heure de questions. Je vais penser à la balayeuse parce que je l'ai pas faite en fin de semaine. Puis c'est ça, j'aimerais ça me coucher pas trop tard. Mais il n'y a rien que je vais checker tant que ça. Puis pour le stage, demain, on a un chat qui vient avec un lymphome intestinal. Fait que je voulais rechecker les lymphomes. Je connais quand même bien ça, mais je voulais juste tout rechecker en préparation de demain. Fait que j'ai quand même beaucoup de choses de prévues. Là. Fait que je pense que la course, ça va devoir prendre le bord. Mais bon, on va voir. Alors, je retourne chez moi. À plus! Ok, j'ai décidé d'aller courir. Je viens d'arriver, il fait environ 2 minutes. Je me suis dit, j'y pense pas. Genre, j'y réfléchis même pas. Je me lève ma face, je m'abrique, puis je vais. Je commence à faire noir. Oh my god. Ok. Parce que j'ai entendu que cette semaine, j'allais me pousser pour justement la course. Même si je suis fatiguée le soir, essayer d'être un peu plus productive le soir. Parce que la semaine passée, j'ai tellement pas été productive les soirs, les semaines, comme, tu sais, genre, j'ai pas fait de vet prep. Je révisais juste pour comme le stage le lendemain. Je suis pas allée courir. Puis je m'étais dit que cette semaine, j'allais me pousser. Mais c'est vraiment difficile. Mais je vais. Je réfléchis pas et j'y vais. Ok, je suis allée, mais c'était pas tant une bonne deal parce que ici m'a fait noir. Genre tout de suite après, c'était noir vraiment tout. Là, genre, je devais mettre ma flashlight pour voir comme où est-ce que je courais tellement que je voyais rien. Fait que j'ai coupé ce cours là, j'ai juste fait 3 km parce que j'avais un petit peu peur. Mais vraiment, je suis vraiment. J'étais comme j'ai rien pour me rendre visible pour les autos. C'était un peu dangereux. Fait que c'est pas grave, je suis quand même très fière de moi d'être allée. J'ai vraiment chaud. Fait que je vais prendre ma douche. Prendre ma douche et souper. Et faire toutes les autres choses que je voulais faire. J'ai l'impression que j'aurais pas nécessairement le temps de faire des questions de prep. C'est vraiment décourageant, sérieux. Au pire, j'en ai fait genre 5. Juste pour me dire que j'en ai fait un peu. Bon, pas ça. Toi, j'en ai fait genre une trentaine. Juste pour dire que j'en ai fait un peu. Selon les quelle heure. Ok, je suis au bord de l'eau. Je suis vraiment chaud. Très 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 chaud. Je sais pas pourquoi, mais j'ai checké Waze. Puis aujourd'hui, il y a vraiment plus de trafic que les jours du jour. Là, c'est comme oh my god, je me suis dépêchée de partir. Je vais manger dans le taux. Je suis arrivée pile à l'heure ce matin. J'étais vraiment stressée. Fait qu'on a un matin quand même occupé. Parce que les amis que je fais les vlogs dans la toilette pour pas avoir l'air d'une folle de voir les autres personnes. Ouais, on a un matin quand même occupé. On a des suivis de des patients sur la chimio. Puis patient qui vient parce qu'il y a une probablement une tumeur osseuse au niveau des hanches. Puis il y a un patient qui vient pour une biopsie de mastocytome. Un chien, vraiment cute. Fait qu'on a un avant-midi quand même occupé. Pour le moment, l'après-midi n'est pas très occupé. Ça va peut-être se remplir. Alors, ça devrait être une très bonne journée. Coucou! J'ai laissé ma caméra chez moi. J'allais oublier. Alors, je dois filmer avec mon sel et le tenir de même. Mais là, je suis au drive-thru du McDonald's. Alors, inquiétez-vous pas. Quand même sécuritaire. Fait que c'est l'heure du dîner. Chez nous, au McDo, me chercher un café glacé parce que j'avais quand même un bon 45 minutes pour dîner aujourd'hui. Fait que c'est avant midi. Comme j'ai dit ce matin, c'est très occupé. On a vu des clients qui venaient, comme j'ai dit, pour une masse osseuse. Ah, j'ai pas ça. Oh, c'est... Merci. Est-ce que je prends une paille? Merci. Bonne journée. Donc, ouais, enfin, je disais que le patient qu'on a vu ce matin, le chien, enfin, il venait parce qu'aux radiographies, il y avait des changements en radiographie sur sa tête fémorale qui était
Selon le rapport de l'imagiste, fortement suggestif d'un processus néoplasique, fait d'une tumeur. Fait que les gens ils venaient en premier rendez-vous dans ce temps-là, discuter avec l'oncologue. Des suivis aussi, ce matin il y avait des suivis. Cet après-midi, c'est 3 suivis. Fait que c'est ça. Fait que je vais manger, boire mon café glacé qui est vraiment, vraiment pas sucré. D'habitude, je fais tout le temps ça. Mettre un gel d'espresso de plus, mais là, il est comme extrêmement fort. Mais c'est pas grave, j'aime ça, mais d'habitude, ça compte pas ça. Fait que je suis un peu confuse. Alors voilà! Meilleur tune ever. Je suis obsédée avec cette chanson. C'est incroyable. Allez l'écouter. Je vous conseille fortement. Coucou! Bon. Alors, je viens de revenir chez moi. Il est quelle heure, là? Il est 6h30. Je viens de revenir. Cet après-midi, c'était pas tant occupé, comme j'avais déjà dit. C'était des suivis. Il y a un chat qui est suivi, en oncologie pour un lymphome intestinal, qui venait pour une révélation, un suivi, puis son prochain traitement de chimiothérapie. Donc, c'était ça cet après-midi. Sinon, il y avait une consultation téléphonique pour des gens qui habitent loin, là, qui voulaient une opinion, parler de l'électrochimiothérapie, qui est le traitement que lui fait. Fait que j'ai assisté à la conférence, à l'appel téléphonique. Puis c'est ça. Fait que là, ce soir, je vais pas aller courir vu que je suis allée hier. Je vais vraiment essayer de faire des questions vet prep, mais j'aimerais ça ne pas me coucher tard parce que j'étais vraiment, vraiment fatiguée aujourd'hui. Fait que ouais, je vais essayer d'être productive un peu, puis je vais essayer de ne pas me coucher tard. Voilà! Je vais aller prendre ma douche avant de souper. À plus! Ok, j'ai décidé. Cette fois-ci, je suis allée avec mon ami au Vermont. on est allé à South Burlington, au Vermont, qui est à 2 heures de Cynthia. Parce que, basically, mon ami a vu qu'il y avait un Barnes & Noble dans cette ville-là, au Vermont. Puis moi et mon ami, on aime vraiment les livres, puis comme on les foule, on aime ça chez lui. Puis on était allé à New York au mois de mai pour le spectacle de Taylor Swift. On est allé la voir on est allé la voir au New Jersey. Puis notre hôtel était comme à 15 minutes d'autobus de New York City, fait qu'on a passé quelques jours là, en tout cas, whatever. Puis on est allé à un Barnes & Noble à New York City, à Manhattan. C'était le Barnes & Noble Union Square, puis en tout cas c'était incroyable, genre meilleure librairie ever. Fait que là mon amie elle avait vu qu'il y avait cette librairie là à 2 heures de Cynthia, puis il y avait aussi un Target. Fait qu'en tout cas on a fait une journée genre aller-retour au Vermont, en fin de semaine. Vu que j'avais pas de stage vendredi, j'étais comme ah, c'est quoi, je peux me le permettre. Ça pour dire que je suis allée au Trader Joe's, qui est comme une épicerie qui est juste aux États-Unis, si vous connaissez pas c'est quoi. En tout cas, bref, puis j'ai acheté ce mix qui est un pumpkin bread and muffin mix. Puis j'ai décidé que j'allais le faire aujourd'hui pour en apporter demain en onco. Ça me tentait, j'en ai acheté 2 parce que je suis sûre que je vais aimer ça. Puis ça me tentait de le faire ce soir pour en manger, puis je me suis dit ah, je pourrais leur en apporter demain, ça serait je sais pas s'ils vont aimer ça, mais parce que je les aime full sérieux, ils sont vraiment fins, donc j'ai vraiment aimé mon stage, je suis triste que ça se termine bientôt, en tout cas bref. Fait que je vais faire ça, ça doit aller genre 1 heure au four, alors je vous tiens au courant de mon pain. Bon c'est vraiment pas homemade là, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, ça devrait être très très bon. Ok, le batter, ce qu'on pensait. La pâte est excellente. Excusez, mon truc sonne. Wow, ça va être vraiment bon. Oh my god. Mami. Coucou, baby. Coucou, baby. Bon, ok, ma batterie va mourir. Oh my god, j'ai l'air folle avec mon bandeau. Excusez, je viens de me laver le visage, alors j'ai mis mon bandeau. Oh mon dieu, ok, ma batterie va mourir. Je voulais juste dire que je me couche, il est 9h30. Finalement, ce soir, bon, ma mère m'a appelé. Elle m'a raconté plein d'affaires. J'ai parlé à ma soeur, j'ai parlé à mon ami Flo. Finalement, j'ai pas été tant positive que ça.
Aussi, je ne sais pas montrer mon gâteau, mais il est très bon. Par contre, il est trop cuit. En plus, j'ai mis moins de temps que ce que ça disait, mais je sais que mon four est cuit vraiment beaucoup. Fait que genre, le bas, il est comme... En tout cas, il est trop cuit. Là, je suis vraiment déçue. Je ne sais pas si je vais l'emmener demain. Mais il est bon quand même, là. Mais bon, je vais me coucher. Demain, je dois être là pour 8h15. Fait que je pense que je vais partir d'ici à 7. Fait que je vais me lever à 6. Et demain, je vous parlerai c'est quoi les cas qu'on va voir et tout ça. Alors, à plus. Bye, bonne nuit. Donc alors, aujourd'hui c'est extrêmement occupé, genre 2 heures, je viens de dîner vraiment vite. Fait que je dirais tantôt un peu c'est quoi qu'on a vu, mais c'est très 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 occupé, plein de mauvaises nouvelles. Ok, allô, je sais pas si vous me voyez quand même. Ok, oh mon dieu, mais quelle journée. Quelle heure là? Il est 5h30. Je viens de partir. Je sais vraiment pourquoi, mais aujourd'hui je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Genre, je me sentis vraiment faite toute la journée. J'avais vraiment peur de m'évanouir. Genre, toute la journée, je sentais que j'allais m'évanouir. Je sais pas pourquoi. C'était comme vraiment occupé aujourd'hui. Désolée, faut que j'arrête de parler en même temps que je filme. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de suivi. Il y a eu aussi 2 nouveaux patients, 2 lymphomes, un chien qui avait un lymphome, un chat qui avait un lymphome. Puis c'est ça, c'est pas des bonnes nouvelles, là. C'était triste. C'est discuter avec les gens de stade de lymphome, les pronostics, les possibilités, tout ça. Fait que, ouais. Sinon, il y avait vraiment beaucoup d'animaux en suivi. Fait que ça n'a pas arrêté de la journée. Puis c'est sûr que je me sentais vraiment pas bien, mais. Bon, j'ai filmé avec mon ciel parce que ma carte mémoire est pleine. Ça vient d'arrêter de filmer sur ma caméra ici. Fait que là, je retourne chez moi, il y a 1 heure de trafic. Ben, ça va prendre 15 secondes. Ça va me prendre 1 heure à retourner chez moi. Au début, je vais aller courir ce soir, mais. Je vais pas aller courir vu que je me sens vraiment pas très bien. Puis je sais pas trop ce que je vais faire ce soir là. Mais bon, pour le moment, je retourne chez moi. Puis demain, c'est ma dernière journée de stage déjà, je peux pas croire. Puis aussi, oh my god, j'ai oublié mon pain à la citrouille dans la voiture ce matin. Puis je m'étais dit, oh, c'est pas grave, je retournerai aujourd'hui, mais j'ai pas du tout eu le temps de retourner chercher le pain. Alors, j'ai pas donné le pain à la citrouille, je l'ai pas apporté. Après, je vais l'apporter demain. Hein. Oui, c'est ça, fait que je retourne à Saint-Hyacinthe. À plus. Ok, c'est ma dernière journée en onco aujourd'hui. Et ce matin, c'était la catastrophe. Je ne trouvais pas ma clé de char for the life of me. Je vous raconterai l'histoire tantôt. Fait que ça fait que je suis pas très en avance. Finalement, je vais vous dire le plot twist de l'histoire. Ma clé de char dans mon char, les portes pas barrées. Super. Alors, dernière journée, wouh! Alors, encore une fois, journée très très occupée. On avait beaucoup de suivi aujourd'hui. On a vu un chien qui avait une TBT. Je vais vous expliquer c'est quoi plus tard, mais c'est très rare au Québec. Je vais vous expliquer c'est quoi. Mais c'était quand même cool de voir ça. Je suis allée avec la technicienne faire un des traitements de chimio. Parce que de toute mon stage, je n'avais pas été pendant les traitements de chimio. Fait que là, elle m'expliquait tout. C'était cool. Puis sinon, plein d'affaires. On
les chirurgies, les affaires de même, beaucoup de suivi. Fait que, ouais, très grosse journée. Hello! Oh my god, comment ça fait mal là? Voyons donc. Il est même pas temps, il est genre 6h30, peut-être. Pas un peu plus que 6h30. Bonjour tout le monde! J'ai terminé ma dernière journée en oncologie. C'était une très belle journée. Je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez moi parce que j'ai vraiment faim en ce moment. Enfin, je vais aller chez moi. Puis je vous expliquerai après c'est quoi la TVT, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et tout cela. Alors je vais chez moi, au moins le live il n'y a pas de trafic, ça va prendre genre 45 minutes à aller chez moi je pense à ce métier. Donc ça devrait être possible. À plus!